A l'air de marcher. Alors, on attend un peu. On va attendre le retour. Voir comment il est. Pourquoi moins de 2 minutes? Comprends pas. Bon, je regarderai ça plus tard. Coucou Shibaka. Bonjour. J'ai fini ma fanfic. D'accord. T'as obligé de voir ça. Oui, je regarderai après. Tu t'auras qu'à me l'envoyer. Tu sais, tu peux, tu me l'en. Tu vas me. Pardon. Tu me l'envoies via Discord et si tu peux pas. Je te donnerai une adresse email où l'envoyer. Regarde vite fait à 5 minutes 30 si tu peux. Mais non, je peux pas. C'est chiant, je suis en stream, je peux pas. Violent. Mais je regarderai la violence après. Alors, c'est un jeu tour par tour, un jeu de stratégie, où nous incarnons des robots, et la planète est envahie par des putains d'insectes chelous, et le but du jeu, c'est de les tuer, tous les exterminer. J'ai fait de la merde. Tant pis. Alors, l'équipe avec laquelle je joue n'est pas l'équipe de base. Il a fallu que je gagne quand même une fois pour pouvoir le débloquer, cette équipe.
C'est l'idée à peu près, oui, effectivement. Je connais pas du tout ça par contre. Bon, mais il va mourir. Y a des gens qui se font chier dans la vie. D'accord, ok. Il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre, ouais, effectivement. Parle de quoi toi? Du truc qu'elle est en train de me raconter. Pas de spoil, je regarde. Mais. Pardon. Alors, j'ai beau procéder de la manière que je veux, le train est forcément mort en fait. La toune, c'est pas où tu gicles partout là? Où tu gicles. Bah, parce que moi je vois pas de. Où tu tires partout. Bon, c'est un peu la même idée. Bah, c'est important, c'est une question de point de vue. Bon, tant pis. Je peux pas sauver le train de toute manière, donc. J'ai pas mangé et j'ai perdu. J'ai perdu contre les enfants.
Après, je crois que j'y jouerai pas, c'est pas trop mon style encore. Il faut réfléchir. Ah non, passe des bas de merde, c'est chiant. Ouais, il t'a pas 3 quand même. De Voilà. quoi? Le débat là, œuf ou poule platoon, c'est comme le débat pain au chocolat ou chocolatine, c'est important. Non, ça sert à rien. Il n'y a pas lieu d'avoir le débat. Ah non, mais le débat n'a rien à foutre en fait. Non, mais il n'y a pas à avoir de débat pour pain au chocolat ou chocolatine vu que ce sont deux choses différentes. Donc en Ah, fait, tout à fait. faut arrêter ces débats stériles. Toi, tu t'excites tout seul là dans ton coin? Mec, t'as même pas besoin d'une personne en face de toi pour t'exciter. Bah si. Tu regardes un commentaire YouTube, toi, ça te plaît pas, là tu t'excites tout seul. Wesh! Fais comme moi, garde ton calme. En toutes circonstances. Non? Ouais, faudrait que je garde mon calme. J'avoue que le self-control et toi, ça fait 38. Au moins. Non, c'est 42, c'est la réponse de l'univers. C'est ça, 42. Oui, je sais. La partie commence mal là. Ok, ça va. Te faire rouler dessus. Bah, surtout en fait, que si j'arrive à 0 de ces barres d'énergie, en fait, je suis mort. T'es en train de te faire rouler dessus, c'est ce que je disais. Ah, de noob. Il va se faire défoncer. C'est quoi que j'avais dit déjà? Garde ton calme. En fait, je suis pas là pour t'aider pour garder le calme. Hein. C'est clair. Nice. American. Par le pouvoir de la Sainte Pelle. Je vais te défoncer le crâne. Avec la pelle ou avec ton... Non, je veux rien dire. Ah si, tu peux dire. Mais non, c'est des blagues de merde là que j'ai eu. Je veux beaucoup. Je crois que je me fais chier ces derniers temps. Tu crois? Moi j'en ai la certitude. Ah bon? Ah, que tu te fais chier? Ah oui. Et pourquoi donc? N'as-tu la certitude? Je sais D'où pas, une envie. certitude? Je sais pas, une envie comme ça. Non, non, non. Pas bon, c'est pas valide. Il y a pas de raison, il n'y a pas de. C'est une relation de cause à effet, il faut une cause pour faire ça. Mon poing dans ta gueule, voilà la cause, l'effet, t'es mort. Je pense pas que je meurs en un coup de poing quand même, mais bon. On essaye? Après, tout dépend où tu tapes. C'est vrai. Bah tu vois, tu veux pas essayer? Bah, tu sais, elle peut prendre des coups dans la tronche, c'est pas mon délire. Bah tu vois, t'es pas joueur, t'es nul. T'es pas drôle. Parce que tu te crois marrant. Oh, très. Faudrait que tu retournes regarder la dictionnaire de marrant dans le. La définition du mot dans le dictionnaire. Que le dictionnaire marrant, Bah écoute, j'ai jamais mais entendu qu'un dictionnaire était marrant, mais je te si crois. t'as le Hein. dico de Laurent Baffite qui en a fait un dictionnaire pour les cons, je crois, comme ça. Parce qu'il se faisait chier, je pense. Dictionnaire pour les cons. Tu connais, tu sais, c'est qui Laurent Baffite?
Moi non. Je suis obligé de répondre. Bah je sais pas, voiture. Je répondais pas à cette question. Donc, tu ne le connais point. Wesh poto. Bah ça va, j'ai le droit de pas connaître. Bah oui. Qui que c'est? Marine. Oh, bonjour. Au secours. Je vais dire pas une connerie. Comment vas-tu? Tu l'entends? Ne parle pas. Qui, moi? Ah bah oui. Alors... Ah oui, toi. Ah, pardon. Jean-Paul III. Ah, et Katari, y a Maria, elle peut pas te parler, enfin, lui envoie pas de message. Oui, ça je l'avais compris à peu près. Ah, tu l'avais vu sur Instagram? Non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça ma question en fait. Ah, bah. Enfin. En fait, tu vois, on est régime 1 à l'école. Ouais. Et moi et Maria et Natacha, on était sortis parce qu'on commençait à 9h. Du coup, on était sortis de 8 à 9. Et on n'avait pas le droit apparemment. Du coup, on a été collés une heure et sa mère, elle a confixé d'hôtel. Ah. Voilà, voilà. Ça va pas durer éternellement non plus. Apparemment, elle est confixée son père jusqu'en juillet. Jusqu'à la fin des cours. Voilà. Kata. Bah ça arrive, écoute. C'est dans des moments pareils, tu te dis, en fait, je suis content de plus être en cours, de plus avoir les parents sur le dos. En fait, c'est ce que je suis en train de me dire, mais je me suis dit que c'était peut-être méchant. C'est ça. Bah oui, non. Je veux dire quand même, les parents en moins, tu fais plus de choses. Bon, enfin, toi, c'est pas parce qu'il n'y a pas tes parents que tu fais plus de choses. Hein. Non, j'en fais moins. C'est la logique absolue. Moi, je travaille pas plus, hein, j'en branle moins, au contraire. Hein. Non, c'est un peu. Bah, en fait, je vois pas ce que je fais de plus donc. Mais tu fais rien de plus. Est-ce que je fais de moins? Moi non plus. Bah, en fait, je fais juste la même chose. Moi. Je me contente de vivre. Voilà. Car il faut vivre pour survivre. Ta gueule. C'est pas ça le rythme. Du coup, je sais que c'est déjà faux. Bah, non, ta gueule. Et plus jamais je m'énerverai. De toute façon, si je suis pas crédible quand je m'énerve, ça sert à rien de m'énerver. N'est-ce pas? Toi, crédible. Il est pas crédible, toi. Cette amitié. C'est con qu'on ait pas les moments où ils ont des messages, parce que on aurait compris que c'était pas pour te répondre, mais. Parce que toi, on s'en fout de toi. Ouais. Oui. Ah, je vais crever, quoi. Arrête d'agresser mes oreilles. De quoi? Comment? En faisant ça? Aïe. Vraiment pas la moitié d'un chien dans ta vie, toi? Moi, jamais. Oh. Bah, de toute façon, c'est bien connu que je suis pas comme ça, moi. Juste un jour sur. Un jour sur. Un demi-jour. Genre, t'es plus chiant que ce que tu peux être chiant dans une journée, quoi. Non. Toi, ça se voit que t'as pas passé une semaine avec moi. Non, en toussant. Eh oui, mais bon, je suis malade, écoute. C'est les mecs de couilles. Et maintenant, on fait le concert de la toux. Allez, vas-y.
Vas-y. En fait, c'est le concert des cancéreux. Ouais, non, c'est méchant de dire ça. Oui. Mais tu sais déjà, quand tu regardes, entre être asthmatique et être fumeur, il n'y a pas de grande différence. Tes bronches, ils jouent tout autant. Enfin, quoique, il y en a un qui n'entraîne pas de cancer, normalement. J'aime bien ta phrase, le « normalement ». Ouais, mais toi, tu files le cancer, donc... Mais non, moi, je donne pas le cancer. Je suis le remède au cancer. Ouais. Dire ça pour pas te vexer, mais c'est une vérité. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Avec la blague là, on est d'accord. La blague est valide. Non, non, je crois pas. Crois-moi, veux pas qu'elle soit valide. C'est le mec. Tu absorbes le cancer, donc c'est pour ça que tu tousses. J'absorbe pas le cancer. C'est pas possible. Du coup, bah, non, bah non, en fait, parce que j'ai pas posé la question de guerre. Tu pourrais choisir entre vivre dans une VR ou dans la... Ici, enfin... Alors déjà, tu vas expliquer ta phrase concrètement. En gros, entre vivre dans un monde comme SAO ou vivre dans le monde réel. Bah, le choix est vite fait. Et ça, c'est mieux qu'ici. En soi, je trouve. C'est vrai que quand tu le jeu, il est juste plus réaliste en faisant que tu meurs quand tu. Voilà. Quand tu meurs, tu meurs. Bah, il est bien. Il est bien, il est mieux, il est. Moi, j'aime bien. Un peu de mourir, comme ça tu t'en profites un peu moins. Du coup, en fait, quand t'es dans ce style-là, la question n'est pas ce que. N'est pas. Non, d'en ressortir, mais plutôt où tu préfères mourir. Effectivement, dit comme ça. C'est bon, disons. C'est pas vraiment trop discutable, effectivement. Quand tu regardes l'animé, en fait, t'as l'impression que dans la suite, il cherche un moyen de un peu d'y retourner. Sans vraiment se l'avouer, parce qu'il aime bien le. Ouais, tu me diras, il aime bien le monde réel. Ouais, bon, quitte à choisir. Vu qu'il a trouvé une raison de rester dans le monde réel. T'appelles ça une raison, moi j'appelle ça une contrainte. Comme Asuna, je suis sûr que tu dirais oui directement. Chut, faut pas le dire. Faut pas le dire, bah non. Ok, allez, oups. Oh. Kari, oh Kari, Karibou. Oh Karibou. Toi aussi, tu veux des caribous? Alors, je vais me faire du poney sur les caribous. C'est le truc qui a aucun rapport. Effectivement, dit comme ça, c'est sûr et certain que ça a aucun rapport. Qui a aucune foutue logique. Mais bon, j'ai plus de logique depuis qu'on est. Pourquoi
message retiré. Qui c'est qui retire le message? C'est Shibaka qui s'est retiré son message. Tu peux supprimer quand même ton message? Bien sûr que tu peux. C'est drôle parce que ça t'énerve. Petite merdeuse. I suppose I've been riding. Whoa. Resembles. Bon, bah j'ai perdu. J'ai perdu ma réputation, tant pis. On s'en fout de toi. Ah oui, parle-moi mal. Parle-moi mal, hein. I'm very lucky. As I deep in my pool, straight from inside, I feel in my bone to make my bones blow.
12 new page, 12 new page, 12 new page, 12 new page. Tiens, on trouve d'autres musiques à écouter quand même. J'ai mis Magic Dragon, je peux la regarder, je crois. Dans la rediff, je pense que t'auras plus de 200 UFU. De 212. Dans la rediff, je pense que tu auras plus de 200. Pourquoi ça sert que je te le lise, tu le relis derrière? Parce que je le fais les deux. Alors, j'ai le droit, quand même, d'être malade. Et de cracher mes poumons, non? C'est clair, non? Putain, j'ai le droit. Si vous avez retrouvé mes poumons, je veux bien que vous les mettez dans votre... C'est le mec. Si vous avez trouvé mes poumons, je veux bien que vous les ramiez, si vous... Non, mais je l'ai pas eu, le bordel, c'est sérieux, ça? Bon. Fog asleep. Fog asleep. Quoi, nope, si. Ça va pas commencer, hein. Tu as arrêté de gueuler, toi aussi? Non. Si j'arrête de gueuler, je perds ma marque de fabrique. On essaye de gueuler vraiment un coup, du coup. Parce qu'avec les voisins, ça peut le faire. T'imagines que pendant toute l'année, là, genre, je m'inquiétais à l'idée que je parle trop fort et qu'ils m'entendent. Oui, et. Mais du coup, ça risque pas. Pourquoi? T'as l'impression que je parle fort? Bon, un petit peu quand même. C'est l'enfoiré. Le mec, il a monté 58 000 fois mon son, genre... même maintenant, il m'entend à peine. Mais, ouais, si, tu parles fort, hein. C'est juste que tu te rends pas compte, hein. Je déteste ne pas avoir le dernier mot, Chewbacca. Oui, écoute, tu n'aimes pas avoir le dernier mot, c'est con, parce que c'est toujours moi qui l'ai. Voilà, c'est tout. J'ai raison. On était censé me meubler en même temps. Putain, je suis en train de perdre, ça me saoule. Parce que je maîtrise pas encore cette squad, tout simplement. Voilà pourquoi je perds. Là, c'est moi qui aurais le dernier mot. Côté nul. Avec cette squad, ouais, complètement. Mec, tu sais, il joue à un jeu depuis deux jours et il... Wesh. Dis ça. Non, mais y a des squads qui sont... Y'a une squad qui est super forte, quoi. C'est plus drôle quand tu perds, non? Espèce de quoi, ça. Jamais. Ah, la tienne.
J'arrête de router mon stream, c'est pas votre cool. Je crois que c'est parce que je mange avant les streams à chaque fois. Il y a peut-être de ça, effectivement. Et du coup, je suis comme un bébé, moi, faut que je fasse mon rototo. On va rien dire. Ça, ça sert à rien. Quitte. Je vais me penser un truc. Si tu prends genre Ah, t'as pas eu trop mal? Non. Et en fait, je sais pas combien. Bon. Est-ce que tu peux faire une blague toute pétée? Bah oui. On est d'accord que les droits, il y a des droits d'auteur sur chaque musique, mais est-ce que c'est sur chaque musique ou c'est sur. Attends, quoi? Tu sais, quand t'as un stream, t'as pas le droit de mettre une telle ou telle musique. Oui. S'il y a les droits d'auteur dessus, mais c'est les droits d'auteur pour la musique ou pour en fait. Droits d'auteur pour la musique ou pour quoi? Pour le chanteur, par rapport au chanteur. Bah c'est. C'est le groupe. Le groupe ou le. Le groupe ou le chanteur en question. Donc une fois que t'as pris pour un chanteur, t'as le droit de mettre toute la musique. Bah non, t'es toujours obligé de payer. T'as cru que ça marchait, t'as cru que c'était. Payé une fois et c'est fini. T'as cru que ça toi? T'as rêvé? Bah c'est une fois que tu payes un CD, donc payé. Payé une fois et c'est fini. Ça marche pas comme ça. Hein. Ah c'est con. Nouveau rediffusion du chat en direct. Alors maintenant, tu peux voir les messages que t'as mis pendant le live. Ça peut être intéressant. En rediff, tu peux avoir les messages du live. Ça sert à rien. Ça peut être intéressant. Faites attention à ce que vous écrivez, ça peut être revu après. C'est le mec. Écrivez pas trop de conneries, vous allez être vu après. Ah, attends, il me tape à combien? Il me tape à 1. Est-ce que... Enfin, dans tous les cas, je perds quand même le point, quoi. Oh, résiste. Oh, c'est tellement bien. Même si tu chantes bien, parce que du coup, tu utilises la musique d'un groupe, tu peux pas avoir de problème là-dessus, parce que genre, si c'est toi qui chantes. Non, mais si tu utilises la musique, oui. Oui. Du coup, tu chantes à la place des musiciens et puis c'est bon. Tu fais chanter à la place des musiciens. Non, mais tu fais. Oui, à la place de chanteur. Du coup, tu fais ta musique, genre. T'as pas de problème, vu que c'est toi qui chantes. Oui, sur le principe. Mais bon. Vu qu'on chante mal, ça risque pas de bon problème. Il y a l'enfant qui demande à sa mère qui est la plus intelligente, la blonde, la brune ou la rousse. La rousse. Ouais. J'ai même pas regardé le chat que je savais déjà la réponse. Oui, non, mais de toute façon, tu m'as fait la blague. Ouais, je te l'ai fait de toute façon la blague. Une semaine, à peine. Ouais, il y a une semaine. Ouais, il y a 2 semaines, ouais, à peu près. Moi, j'ai voulu répondre la blonde parce que voilà. Oui, lui m'avait répondu la blonde. Non, parce que toi, tu prends encore aux femmes intelligentes. Ouais, j'assume complètement ce que je viens de dire. Enfoiré. En vrai, pas de réfléchir. Je crois que j'ai jamais été attiré par les blondes. Moi non plus.
crois qu'il n'y en a aucune qui était bleue. Ouais, non. Même si les couleurs et moi ça fait 10, mais non, pas de bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, si je dis les couleurs et moi ça fait 10. Tu veux une anecdote bien conne? J'ai peur de l'entendre. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'avoir peur. Et j'étais en train de faire. Ouais, je sais pas, là, je suis obligé de reset le tour, je sais pas. Quand? Non, je chanterai pas. Les TP, c'est quand t'es au bac, tu sais, t'as science et. Dans physique et SVT, t'as un TP à faire. Oui. Donc c'est les manips. Oui. Et en fait, du coup, ça doit être la première année que j'ai fait. Je suis en train de faire mon TP. Du coup, j'utilise le microscope. Et je vais tout voir une couleur verte. T'as le prof, il dit, tu vois le vert? Je fais, non, monsieur, je vois que du gris. Et tu te fous de moi? Non, monsieur. Je vois vraiment du gris, je vois pas de vert. Prof, je te jure, il m'a regardé jusqu'à la fin de mon TP, il m'a regardé, mais il est con ou ça se comment il se fout? Ou vous, non mais aucun de nous deux, comme ça c'est vite vu. J'avoue. Je chante déjà bien assez mal comme ça, moi. Sur ce point-là, on est d'accord. C'est le bon ami qui savait même pas de. Quoi? Ah, parce qu'il fallait t'encourager? Ah merde! Qu'est-ce que tu veux me faire chier? De quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu parles? Retourne sur le lit, dégage. Ah, à ton chat. Casse-toi. Casse-toi le chat, tu me gonfles. Dégage, tu touches au clavier, tu prends un vol. Dégage. Pauvre chat. Ah, bizarrement je dis ça, retourne sur le lit, tu vois. Comment qu'il s'appelle déjà ton chat? Lilou. Lilou. J'ai eu l'idée du nom en regardant le cinquième élément. J'avais une Lilou dans ma classe en terminale. Elle était belle. Enfin, je voulais dire autre chose au départ, mais on va pas le dire ensemble. Elle était bonne. J'aurais dû virer. Le cookie des. Oh les beaufs quoi. C'est toi surtout. Bon, j'ai rien dit moi. Mais moi je vois pas de quoi tu parles. Hein. Un smiley bouche cousue. D'accord. Ouais, c'est pour rien dire. Au pire, tu viens sur le stream et tu chantes. Ah, qui va venir niquer ta mère? Mais bronche carré. Je vais sûrement perdre si ça résiste pas. Et j'ai perdu, c'est magnifique. Arrête de gueuler deux minutes s'il te plaît. Non, j'ai perdu, ça me saoule. Parce que j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû perdre un point. J'ai perdu au bout de 37 minutes. C'est triste, c'est malheureux. Non, ça me fait rire. Ta gueule. Moi aussi, putain, mais j'ai perdu parce que j'ai pas tapé le bon, je suis vraiment un connard. C'est ça. Mais ta gueule. Mais putain, mais va te faire foutre et bien profondément, espèce d'enculé de ta race, va. Putain. Je suis là pour soutenir. Mais je m'en fous de ton soutien. C'est pas ça qui va me faire gagner. Mais tu sais, tu m'avais dit tout à l'heure que j'étais fou crédible que je. TA GUEULE! C'est pas crédible, cherche pas. Bon, je pars à la chasse. Je pars à la chasse. Je vais chercher la crédibilité. Vu qu'on l'a perdu tous les deux. Faut bien la retrouver. Putain, et sans déconner, je vais changer de jeu. Ah, j'en ai marre. Va sur Fortnite. Tu rigoles pendant qu'en plus salé, c'est pas la peine. Sur LOL.
Ouais, bien sûr, mais, hey, mais vas-y, mais tant que tu y es, je vais sur Dragon Ball Z Fighter aussi, tiens. Comme ça, je vais te bien saler du cul. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ça. Oh, tu sais, Heroes, ça suffisait pour faire saler. Ouais, non, non, mais j'aime bien que le sel, tu sais, il racle bien, là. Tu vois? Non. De faire sodomiser sec avec des graviers. Alors. Il n'y a pas des graviers, du sel. Stream du sel. Toujours. Non, mais c'est le nom du stream maintenant. Ça te parle là dans le chat. Oui, j'ai déjà répondu. Mais t'as toujours un coup de retard. J'étais en train de chercher le nom de la série au début, je fais oh merde. T'es vraiment un con. Personne en dit per... Oh non. J'ai pas dit débile, j'ai dit con. Ça se dit personne à capacité intellectuellement diminuée. C'est pour ça que j'ai dit con, pas débile. Mais ça marche pas. Ça me... Pourquoi à chaque fois que je veux faire quelque chose, ça marche jamais? Ta gueule! Je te parlais pas. J'ai raison, tais-toi. T'as raison et moi pas tort, baise-moi le cul, on sera d'accord. C'est quoi cette philosophie? Tu la sors d'où? Bah. Si je te dis, c'est qui m'a dit ça la première fois, tu vas pas revenir. Hein. Bah vas-y, ça m'intéresse. Hein, je suis loupé sur le dernier mieux. Sur le dernier mieux. Voilà. Il faudrait que j'écrive une fanfic. What? Mais c'est... Mais... Quoi? C'est sérieux? Vraiment? Bah... Chuchote, du coup, tu seras pas capable d'écrire... De... Comment ça ne regarde pas? Qu'est-ce que tu... En gros, je veux pas que tu saches que je... Non, mais il est... Est-ce que tu... Non, il écrit pas une fanfiction, lui. C'est mon pote, donc il va pas écrire une fanfic. Lui, il a un truc que moi je... Lui, il a un truc envers moi que moi je n'ai pas envers lui, qui s'appelle le respect. Non, t'as pas de respect envers moi, pourquoi j'aurais dû se faire envers toi? Alors, ça va vite me gonfler. Attention! Vous allez vous faire défoncer, potentiellement... Non mais, en fait, en haut à droite, j'ai un carré, en fait. Et genre, en fait, il part pas et ça m'énerve. Ah non. Pourquoi il part pas? Je croyais qu'il était parti, mais en fait, c'est juste que vu que l'écran était jaune et que le carré était jaune, du coup, on voyait plus. Attends. C'est bon. Non, il part pas. Putain! Ça va me saouler. Je tente autre chose. Mais non, mais ça me saoule, pourquoi ça fait ça? Bah t'avais dit que c'était le stream du sel. Tais-toi. Ah genre c'est pas que du fight. Il y a aussi genre le moment où tu es dans... Alors, est-ce que là mais je l'ai toujours. Ah oh, ça va me saouler. Ah ça va vite me gonfler. Pam 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 pam.
Bon, ben vous aurez un vieux carré de merde en haut à droite. On s'en fout, ok. C'est parce qu'il nous changer la vie. Et deux secondes plus tard. Alors, vous savez quoi, vu que vous avez ouvert votre gueule, vous allez choisir, soit on fait du PVP, soit on fait de l'histoire. Bah, pour que tu sales un peu moins, je dirais de l'histoire. Vous savez, je suis gentil quand même avec toi des fois. Franchement. Je sais pas si je dois t'envoyer chier ou non. Bah, en fait, je sais pas si tu mérites ma gentillesse ou pas. J'ai bien envie de t'envoyer chier. Et je me casse. Je veux pas envoyer chier, du coup je me porte moi-même. C'est la logique de merde. J'ai pas envie qu'on m'envoie chier, du coup moi je me casse moi-même. Enfin, pas envie, j'ai pas envie qu'on m'insulte, donc je m'en casse. En casse. Ouais. Et le mec d'Arzulu, t'es un lâche. Tu fuis. Tu l'as. Tu n'es rien d'autre qu'un lâche. Oh oui. Dis-moi des choses. Allez, c'est quoi, on va en combat mondial, allez. Combat classé, non. Participer à un combat amical, oui. C'est con, t'as pas d'amis dans le jeu. Shibaka, t'as 10 PVP, normalement t'as plus de chances de défaite. Pas faux. Je vous hais. Tous les deux. Oh, le mec, il a une vieille connexion toute moisie. Oh, putain. Par contre, il y a un truc qui est rigolo. Et j'ai complètement oublié mes touches. Ah, ça va être très drôle, ça. J'avoue. La dernière fois, j'ai fait un PVP dans Brave Soul. J'avais un perso rouge en face de moi. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'était le Ichigo. C'est Friend Tag. Du coup, il était en face de Maliza. Maliza, la Tizen s'appelle. Ah, mais voilà. Il y avait plus d'Ichigo. C'est à 3 qui est beau, ça. Et plutôt que celui qui va prendre sur faire défoncer, donc. Droite. Oh, c'est violent ici. Allez, Kata. Virus ? Ah ouais, mais là, je suis en train de me faire éclater. Mais oui, mais c'est bien, allez, hop là. Les gens, vous m'insultez pas dans les commentaires si vous voyez que je me trompe. Allez, Kata, tu peux le faire. Moi, je prends le feu. C'est un ulti ou ça se passe comment? Ça, c'est un ulti, ouais, qui m'a mis. Non. J'ai pas vu, si vous en avez raison. Quand la barre jaune est complète, c'est ça qui balance un ulti? Non, pas du tout. Eh, hey, t'as survécu quand même à l'ulti. Ok, donc là il vient de m'en tuer un, très bien. J'y piche que d'aller au fight, moi. T'inquiète pas, c'est normal. En vrai, je t'emprunterai le jeu, je me ferai défoncer à 24.
te lance à nouveau un nul. Parce qu'il a, il a réussi à me le caler. Mec, il cale deux ults d'affilée. Mais du coup, il a deux personnes mortes. Ah non, c'est bon. Limite, les combats sont mieux faits dans le jeu que dans les... Ah mais ça c'est pas... Là le mec, c'est... Il joue au pad. Mais... J'ai pas respecté l'ennemi. Mais c'est pas possible, je le touche pas avec un coup que je suis censé toucher quoi. C'est un truc de ouf. Bon. Alors bon, t'as plus de vie, mais ton perso est encore vivant. Ouais, il me restait un point de vie. Sauf qu'en fait, j'ai essayé d'utiliser une technique qui est utilisable qu'une seule fois. Allez, pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Ok. Très bien, cette fois, j'y vais sérieux. Ça a dit des conneries, on s'était déjà. Alors, ok, j'appuie sur la touche pour changer de perso, mais le perso il fait non. Voilà. Si j'étais redescendu une arène dans Balsou du coup. Genre je me balade là, tous les adversaires que je combats je défonce. Ah non c'est pas ça. Ça c'est bon sur... Ouais bah si, je fais un peu de salut avec ça. Oh la vache. Ah, là tu mènes au score. Pourquoi il y en a un qui est géant et l'autre c'est un nom? Pourquoi ton adversaire il a un nain en combattant? Putain, c'est Son Gohan ado! Putain, je savais que j'aurais dû changer. Ah, parce que t'as balancé son ult? Ça. C'est ça. Bah au pire ça fait un partout et puis lui il a moins de vie. Sauf que le problème c'est que là maintenant j'ai Beerus qui est midlife. Ouais. Ça va être un problème pour lui ça. Parce qu'il est plus fort qu'il est midlife peut-être ou quoi. Il entre en mode berserk. C'est l'idée. Voilà.
Pourquoi il a droit du citron? Là tu l'as battu, mais du coup ça fait un partout. Donc... dernier match, c'est ça. C'est l'idée. Donc lui il a son Goku... ah non. Ah si, mais c'est son Goku en mode Saiyan, c'est vrai. Ouais, ouais, mais c'est son Goku de base en fait. Alors comment le mec fait pour avoir une barre de ki avant moi quoi, c'est n'importe quoi. Allez, rigole pas s'il te plaît. Master, je crois que ça te parle. Non, je comprends pas. Alors j'appuie sur la touche pour changer, il n'y a rien à faire. Bon, c'est pas grave. Alors ça c'est insane quoi. Allez, crève. Master, affiche le message, s'il te plaît. Voilà, j'ai gagné. Gagné. Bon, je fais un dernier match. Après, j'arrête le stream. Bon, bah, j'ai pas trouvé. C'est quoi? C'est la fanfic qu'elle t'a envoyée ou quoi? Ouais. Ah, va falloir me l'envoyer aussi. Je crois que pour ta santé mentale, je vais l'empêcher de te l'envoyer. Pourquoi? Déjà que la mine y est passée. Ah d'accord, non mais je veux la savoir. Ah, je crois qu'elle peut envoyer. Je t'ai envoyé sur Discord. Ah, tu me l'as envoyé déjà? Bon bah je vais aller regarder. Oh!
Bon bah pas grave, reste choqué. Non mais c'est pas gentil, genre. C'est un jeune garçon sensible. Et Akata va être une victime. C'est en PvE ou en PvP? PvP. D'accord. J'ai cru que c'était un peu en PvE, vu comment tu l'as éclaté l'autre. 3 secondes chrono et tu l'as défoncé. Par contre lui il a 3 barres de kill. Ça va? Ouais mais c'est bon. Je sais ce qu'il veut faire. Il va la balancer avec sur un autre. En fait non. Ce qu'il veut, en fait. Ce qu'il veut c'est me combot. Et utiliser toutes les barres sur le même perso. Enfin avec le combo, avec un combo de perso. D'accord. Enfin, je vais essayer de te montrer là si je peux. De quoi tu veux essayer de lui faire? Ah mais c'est pas vrai! Putain mais oui mais Gohan il est trop rapide après, putain. C'est Gohan là encore? Gohan, là c'est... Oh mais à un moment et toi faut t'arrêter hein. Il t'enchaîne le mec. Ah mais là il m'a saoulé. Comment c'est qu'il t'enchaîne Parce qu'en fait le... Quand il se joue qui il est plus rapide. En fait son Gohan en fait si tu le... Tu vois là j'ai cramé toutes les barres là il est mort. En fait son Gohan si tu craques son ulti en fait plusieurs fois il augmente sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. Ah là je la bouffe. C'est ça le fameux truc qu'il voulait faire hein. Ouais c'est ça. Donc là il t'a foutu 54 coups donc il a un combo et là il va balancer l'ulti. Non. Non, il a rien mis du tout parce que j'ai anticipé le coup. Il peut cramer les... C'est bon, il est mort. non, il peut en cramer que 3 au maximum, mais bon, il peut me faire le coup 2 fois d'affilée et faire ce que je lui ai fait, tuer un seul perso en un seul coup. Voilà. Le grand avec la tenue, c'est Freezer? Non, c'est... alors, c'est le coup là, en fait, mais d'une autre dimension. Krillin ? Non, Kula, le frère de Freezer. Ah d'accord. Bon, alors, j'ai dit que je faisais encore un combat et j'arrêtais là. Ouais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter, comme je l'ai dit. Je vais arrêter le stream et aller lire cette fanfiction. Donc, Shibaka, on verra bien ce que tu m'as réservé. Tu peux venir Discord après si tu veux qu'on... Oui, après, oui, tu peux venir sur Discord si ça t'amuse. Pour les autres, je vous dis ben, bonne soirée, j'espère que ce stream vous aura plu, que m'entendre rager, gueuler, vous aura bien fait marrer. Comme d'habitude, bien évidemment. J'essaierai de vous faire un petit stream, parce que là, je repars pendant une semaine, donc mercredi prochain, il n'y aura pas de stream non plus. Je devrais être de retour, normalement, jeudi soir. Donc jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, stream, voire possibilité de... Toute la journée de vendredi, stream continue. Donc il y a de fortes chances que jeudi je ne dorme pas, que je prépare tous les jeux prévus et que je vous fasse un stream de vendredi continu quoi. Voilà. J'espère que cette idée vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment, à aimer et à partager la chaîne si ça vous a plu. Très prochainement, on va sortir quelques petites vidéos. Des trucs à côté. Je vais faire une petite série à côté, indépendamment des streams. Quand j'arrêterai de travailler, quand j'aurai fini de travailler plutôt. j'espère que ça vous plaira. Personnellement, le jeu me plaît assez, donc j'espère qu'à vous, ça vous plaira aussi. Voilà. Donc, le jeu, je ne vous le dis pas, bien évidemment, je vous ferai la surprise. Sans moi. À la limite, je peux peut-être lancer 2 séries en même temps, mais bon, faut un jeu coop, quoi. Alors, à savoir que le jeu en question, le jeu en question sur lequel je vais partir est un jeu qui est assez compliqué. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Un de ceux dont on avait parlé il y a pas longtemps ou un autre?
Enfin, je sais pas. Je dirais oui et non en fait. C'est dans l'idée des jeux qu'on a parlé, mais c'est pas un de ces jeux. C'est dans l'idée. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'annonce déjà une grande partie des jeux prévus pour le stream de vendredi. Ça, il va y avoir du Warface, du Dragon Ball Z Fighter, du Into the Breach. Il y aura aussi du Slime Rancher, du Subnautica, il y aura plein de choses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Master, un mot pour la fin. À la prochaine. Ça sera le mot de la fin.